Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose de découvrir quelques accessoires de protection pour vos précieux produits Apple. Une seule marque aujourd'hui c'est la marque Elago, on la croise facilement sur Amazon et vous allez voir il y a du bon, il y a du moins bon, on va en débattre pendant cette vidéo. Et on commence tout de suite par mon coup de cœur, c'est une protection en silicone pour la télécommande de l'Apple TV de dernière génération, regardez, à la façon Super Nintendo. Petit plus client, une dragonne, alors c'est pas forcément pour les jeux mais c'est surtout pour la repérer un petit peu mieux ou même la mettre autour du poignet. Non seulement le design est très sympa, en tout cas moi j'adore, euh, la finition est parfaite, le design est bien ajusté à la télécommande de l'Apple TV, personnellement je fais régulièrement tomber ma télécommande, je ne regrette pas cet achat. Un petit mot maintenant concernant les boutons et les connectiques, alors pour accéder aux boutons de Siri, donc sur la droite, aucun souci, le, le, la, la coque ne gêne absolument pas, et puis euh, évidemment l'accès au Lightning pour recharger la télécommande est accessible également. Et puis pour ceux qui ont tendance à perdre leur télécommande, alors j'avoue que ça m'arrive moins avec celle-ci qu'avec la précédente. Euh, avec la Dragon, on peut lui rajouter justement un Airtag. Bon, c'est mieux que rien. On passe maintenant à un classique. Une coque pour iPhone 13 Pro. L'intérieur est en microfibre, donc ça n'abîmera pas votre téléphone. Et puis l'extérieur est en silicone. Alors il y a différents coloris. Euh, il y a un très beau orange, je trouve. Euh, bah Celui-ci est plutôt classique. En tout cas, très bien fini. L'accès aux boutons, en tout cas le toucher des boutons volume plus, volume moins, bouton principal est très agréable. Pas de soucis. Le silicone est très bien fini. Et l'accès au port lightning ne pose aucun souci. Concernant la charge, pas de problème pour recharger avec cette coque lorsque vous avez une recharge. Si vous avez un Max F ça va recharger évidemment. Par contre, bah, ça ne tient pas beaucoup. Hein, Il n'y a pas les aimants faits pour. Voilà. Ça tombe directement. C'est un produit que je vous recommande. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Les coques en silicone. j'achète plus de coques Apple depuis un bon moment puisque la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. En tout cas, le rapport qualité-prix. Là, on est à 16 euros, 15 euros 99. Alors, c'est sûr qu'on a souvent des coques à 14,99, 13,99, 17,99. On est à peu près dans ces eaux-là. Bah, ça se vaut hein, généralement à 15-14, on a exactement la même qualité. En tout cas, celle-ci est pas mal. Et puis pour terminer, donc le bouton qui correspond au vibreur, juste ici, voilà, est accessible sans souci. On passe à l'accessoire suivant. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas une pub déguisée pour Elago. Je vous dis les bons côtés, les mauvais côtés. Et justement, à propos des mauvais côtés, on a ce bracelet transparent pour Apple Watch. Alors bon, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Euh, C'est un bracelet tout simple. Par contre, gros défaut depuis que je l'ai, donc je l'ai mis. Euh, pendant un bon petit moment. Euh, je trouve qu'il a une odeur de, de plastique, c'est insupportable. C'est pas forcément terrible. Alors, l'odeur s'évapore un peu au fil des jours. Néanmoins, il y a toujours quand même une petite odeur. Et c'est dommage parce que euh, bah, finalement, euh, il est de bonne qualité ce bracelet. Ça donne un style et puis il s'emboîte parfaitement avec la montre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de bracelet transparent. Moi, c'est la première fois que j'en ai un. On change d'accessoire et on va du côté des AirPods Pro cette fois-ci avec un, un de mes petits coups de cœur aussi. Euh, j'aime beaucoup euh, l'accessoire pour l'Apple TV, mais j'aime bien celui-ci aussi. Euh, donc c'est du silicone, ça rappelle évidemment Nintendo et c'est pour protéger les AirPods Pro. Alors autant des fois j'ai des scrupules à cacher l'iPhone avec une coque, là personnellement cacher une coque d'AirPods avec ça franchement ça ne me pose aucun souci, surtout qu'ils ont tendance à tomber régulièrement, donc là si ça tombe il n'y a aucun problème et regardez il y a même une petite attache, vous allez pouvoir l'accrocher partout et même rajouter un AirTag, pourquoi pas. Alors je ne l'ai pas acheté mais je sais qu'il y a une version euh, qui propose justement un port euh, AirTag directement, ça c'est bien pensé. Allez, on retourne au coq iPhone 13 Pro. Alors, c'est du classique, hein, c'est une coque transparente. Alors, l'avantage quand même de cette coque par rapport à d'autres coques que j'ai pu tester, alors le prix c'est 14 euros, mais l'accès aux boutons me semble quand même moins difficile. Des fois, j'ai eu certaines coques, alors je vous en avais parlé euh, lors de mes différents tests, hein, mais dont les boutons sont vraiment euh, difficilement accessibles, il faut appuyer assez fort, c'est pas agréable. Celle-ci, c'est pas le cas. Petit test de charge avec le MaxF. Alors, évidemment, en Chi, ça marche sans problème. Le MaxF fonctionne, mais de la même manière, regardez, eh ben, ça tombe directement. Alors, je ne les ai pas prises, hein, mais il existe des coques pour Elago compatibles MaxF, mais c'est un petit peu plus cher. C'est 4-5 euros de plus. faut voir si vous en avez vraiment besoin. Côté bouton, pas de problème d'accessibilité. Et puis, euh, bah, le, les capteurs sont parfaitement protégés. On change de registre avec un autre accessoire. Alors celui-ci permet de recharger jusqu'à trois périphériques en même temps. Alors objectivement, gros bémol. Euh, donc c'est du silicone. Mais en fait c'est qu'une plaque de silicone finalement. Il faut acheter tous les câbles en plus. Donc là vous voyez, j'ai mis euh, la, la partie pour les AirPods, la partie pour euh, l'iPhone. J'ai laissé donc là, la partie pour Apple Watch. C'est pour vous montrer qu'il faut à chaque fois rajouter euh, le, les câbles. 20-25 euros, je trouve ça un petit peu cher juste pour ça. Alors, par contre, hein, la qualité est irréprochable, c'est rigolo. C'est du silicone, moi j'aime bien, mais finalement, bon, faut rajouter les câbles, c'est quand même un petit peu cher. Point Positif, la sortie des câbles n'empiète pas sur la stabilité du, de l'accessoire, donc c'est bien. Euh, par contre, autre bémol, là j'ai mis l'accessoire aux AirPods Pro, mais comme le, le, le petit capuchon là qui protège le lightning est mal, est mal mis, euh, bah, je peux même pas l'utiliser directement sur cet accessoire. Il faut que je retire ma protection pour recharger mes AirPods. Autre accessoire, cette fois-ci pour l'Apple Pencil de seconde génération, donc voilà, c'est une protection orange, hein, donc ça rappelle un petit peu les bic orange. Euh, on peut lui rajouter une sorte de petite gomme alors qui ne sert strictement à rien euh, ça sert même pas euh, à faire du, du tactile euh, et ça je trouve ça dommage ça aurait pu euh, être un accessoire justement pour remplacer le doigt euh, c'est pas le cas avec cet accessoire à propos de la recharge maintenant alors parfois ça rechargeait parfois ça ne rechargeait pas je vous conseille quand même de retirer euh, de la protection pour recharger le pencil donc c'est pas très pratique par contre je pense que cet accessoire est très bien pour des enfants ils vont peut-être plus faire tomber l'Apple Pencil qu'un adulte euh, et puis surtout comme ça grossit un petit peu le, la, la prise en main, c'est quand même moins pratique pour les spécialistes de, du dessin, c'est fait plutôt pour les amateurs. On change d'accessoire on passe aux AirTags avec un accessoire qui va nous protéger nos AirTags mais surtout euh, qui va les rendre utilisables par exemple sur un trousseau de clé, alors j'étais pas passé à l'achat depuis le début euh, des AirTags et c'est vrai que ça me manquait, je l'utilisais notamment dans un portefeuille, donc là je le glissais, ça ne gênait pas, mais c'est vrai que sur un trousseau de clé bah, on peut pas faire autrement que de le comme ça l'accessoire coûte une douzaine d'euros c'est bien pensé c'est bien fini il n'y a pas de problème les air tags sont bien ajustés c'est vraiment un produit que je vous conseille en tout cas si vous avez des air tags pour les mettre à votre trousseau de clé c'est indispensable alors tout à l'heure je vous ai proposé deux coques pour iphone 13 pro en voici une troisième qui est un petit peu différente toujours un peu transparente mais avec quelques rayures supplémentaires donc ça donne un style un peu différent ça permet quand même de voir la couleur de l'iphone et puis je vais pas épiloguer là-dessus puisqu'on a les mêmes caractéristiques techniques que sur la la coque précédente transparente on a l'accès au bouton qui se fait sans aucun problème euh, l'iPhone est parfaitement euh, protégé et bien ajusté et puis je vais terminer avec deux coques alors une complètement noire qui me rappelle un petit peu ce que fait spigen euh, personnellement c'est pas ma coque préférée donc c'est du plastique tout simple alors l'avantage c'est aussi qu'elle est souple donc elle s'adapte très facilement si vous avez pas mal de coques et vous les changez régulièrement ça c'est pas mal c'est vrai que j'ai testé des pitaka qui sont très très serrés c'est très compliqué de les retirer autre remarque que concernant l'accès au bouton ça me semble un petit peu plus compliqué sur cette coque que sur les coques précédentes alors certes euh, on accède facilement au bouton du vibreur par contre c'est un petit peu plus dur faut appuyer un petit peu plus euh, lorsque vous êtes sur volume plus et volume moins et puis le bouton principal côté euh, protection de, des capteurs aucun problème les capteurs sont bien protégés on voit que c'est une coque assez renforcée d'ailleurs euh, je noterais que lorsque vous appelez le sélecteur d'application euh, la hauteur en fait entre le téléphone et le haut de la coque est un petit peu haute c'est un petit peu moins pratique également que pour les coques précédentes. Et je termine avec cette coque, on va retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques. Alors celle-ci est un peu différente, elle a une petite protection renforcée en bas sur les côtés. Alors pareil, on accède facilement au bouton mais faut forcer un petit peu plus que pour les premières coques et le tout ce qui est capteur est très bien protégé et donc là c'est la même chose. Lorsqu'on appelle le sélecteur d'application, on a un petit une petite hauteur en fait avec la coque qui n'est pas forcément très agréable. Alors côté matériaux utilisés, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pas vraiment du... Enfin, ça doit être une sorte de plastique, en tout cas c'est pas du silicone. Euh, et puis à l'intérieur, donc malheureusement, on n'aura pas de microfibre. C'est vraiment rudimentaire. Donc vous l'avez compris, j'ai quand même une grosse préférence pour les premières coques, notamment bah, la coque toute simple en silicone. Euh, la grise, moi je la trouve vraiment parfaite pour euh, ce dont j'ai besoin. Voilà donc pour cette vidéo concernant les accessoires et l'ago que j'ai pu tester. J'ai voulu que cette vidéo soit la plus objective possible avec les... Les points positifs, les points négatifs. Euh, ce qui en ressort, c'est que la qualité sur tous les produits est quand même au rendez-vous. Alors évidemment, il y a des produits plus ou moins utiles. Et puis si le principe vous plaît, une marque avec plusieurs accessoires dans une même vidéo, euh, n'hésitez pas à me le dire, je retenterai l'expérience. En attendant, je vous mets tous les liens dans la description et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.